Si vous pensez que le Québec est mieux de confier à d'autres la gestion de 45 milliards de ses revenus, la rédaction d'une part majeure de ses lois et la négociation de tous les traités qui le lient aux autres peuples du monde, si vous tripez sur l'austérité et que vous ne voulez pas qu'on trouve d'autres moyens d'équilibrer le budget de l'État que de couper dans les services aux citoyens, si vous trouvez que le pétrole, c'est une ressource d'avenir pleine de promesses pour l'humanité et que l'Alberta, c'est un modèle idéal de réussite économique, si construire des routes gratuites pour des minières multimilliardaires correspond à votre idéal de développement économique, si vous êtes viscéralement attaché à la reine d'Angleterre, ou si vous trouvez qu'il serait plus simple et plus beau que tout le monde sur la Terre parle juste anglais. Si aux élections comme au hockey, vous prenez toujours pour celui qui a le plus de chances de gagner, si vous pensez que nos cours d'eau et nos terres seront mieux protégés dans un pétro-État, si vous êtes climato-sceptique et si vous pensez qu'on est trop ticlin pour s'occuper de nos affaires, si vous vous sentez bien représenté à l'international par le Canada, si pour vous, être clair sur notre engagement de faire l'indépendance, c'est pas stratégique, si les débats à l'Assemblée nationale vous inspirent et si vous pensez que voter pour le moins pire, ça a fait progresser le Québec dans les 20 dernières années, ben, votez pas pour nous.